Alors, Madame Taubira, à l'issue de cette conférence où vous avez présenté à la communauté des étudiants de Sciences Po votre réforme pénale, quelques petites questions. Tout d'abord, ces derniers temps, on a vu beaucoup de Français qui ont été émus, qui ont été choqués par les attaques, par les caricatures dont vous avez fait l'objet. Est-ce que ces caricatures, ces attaques, elles ont entamé votre combat ou bien est-ce qu'au contraire, elles le nourrissent ? Ni l'un ni l'autre, en fait, puisque je puise ailleurs de quoi nourrir mes convictions et mon action politique. Ne m'a pas entamé non plus. Mais par contre, m'ont démontré ce que je crois profondément, c'est que justement ces paroles, ces actes, ces propos, ces gestes ne reflètent pas la France, ne sont pas des paroles légitimes de la France. Et que les réactions que nous avons vues, de nature très très diverse, ces réactions, elles, sont légitimement celles de la France parce qu'elles collent avec l'histoire de la France, elles collent avec l'éthique portée par la France à travers l'histoire, elles collent avec l'histoire longue de la France et non pas avec quelques parenthèses hideuses que certains comme ceux-là ont infligées à la France. Donc ce qu'il y a pour moi d'essentiel dans tout cela, c'est juste la démonstration, même pas pour moi, mais de la France à la France elle-même, de ce qu'elle est profondément. Et ça a été très réjouissant. Cette semaine, le magazine Elle vous a nommé femme de l'année. Est-ce que ça vous rend heureuse ? Quelle est votre réaction à cette nomination ? Écoutez, je le prends comme un hommage parce que je sais que c'est un magazine qui, généralement, ne retient pas les femmes politiques. Et de toute son histoire, je suis la troisième femme politique à qui ils aient choisi de consacrer une couverture. Donc, c'est quand même un positionnement qui dit très clairement que ça n'est pas de la complaisance. Mais ce qui compte, évidemment, c'est l'hommage qui est rendu à l'action publique que je mène, l'hommage qui est rendu aux idées selon lesquelles je travaille mon action publique. Et par conséquent, ça me paraît le plus important. Donc, personnellement, j'en tire plaisir, bien sûr, mais je tire surtout de la force de cet hommage pour continuer l'action que j'ai engagée et qui est portée par des millions de personnes ici. Allez, encore une petite question politique. Vous nous avez présenté longuement et en détail votre réforme pénale. Malgré tout, au début du mois d'octobre, il y a un sondage qui est sorti, un sondage IFOP, qui a montré que 75% des Français, 3 Français sur 4, n'étaient pas convaincus par votre réforme. Comment est-ce que vous comptez faire pour leur expliquer cette réforme ? Mais déjà, je fais un tour de France parce qu'il faut l'expliquer, parce que si je ne l'explique pas moi, ce sont évidemment les adversaires politiques qui ne disent pas un mot de vrai sur cette réforme. Donc on peut évidemment interroger les Français et leur demander ce qu'ils pensent d'une réforme pénale quand on prétend que c'est une réforme laxiste, quand on prétend que c'est une réforme qui favorise les délinquants ou les criminels, alors que la réalité de cette réforme, c'est d'avoir le courage politique d'attaquer le sujet difficile de la récidive, donc de lutter contre la récidive, donc d'éviter de nouveaux actes de délinquance, d'éviter de nouvelles victimes. L'objet de cette réforme, c'est d'individualiser la sanction pour qu'elle soit efficace et donc de protéger les Français. C'est une réforme qui apporte de la sécurité des Français, alors que le gribouillage pénal de l'ancienne majorité a mis les Français en insécurité. Donc évidemment, lorsque les Français sont confrontés à de la propagande, ils réagissent par rapport à la propagande. Mais moi, dans le tour de France que je fais, je vois bien que même des personnes qui ont été travaillées par des préjugés, par un endoctrinement, par de la désinformation, ces personnes-là, lorsqu'elles acceptent d'entendre, qu'elles acceptent de lire les dispositions du texte, elles ont une autre position. Donc moi, je reste optimiste. Tant que chaque fois que nous aurons expliqué ce texte, nous allons gagner des personnes convaincues de l'utilité de ce texte. Allez, une dernière question, après je vous libère. Vous faites partie d'un gouvernement, vous êtes une figure forte de ce gouvernement qui, malgré tout, fait l'objet de beaucoup de critiques, même au sein de la majorité. Malek Bouti, François Rebsamen, dernièrement encore Anne Hidalgo réclame des remaniements. Qu'est-ce que vous avez à répondre, y compris à la majorité, face à ces critiques ? Simplement, c'est la servitude de la responsabilité politique dans une démocratie, à la fois d'avoir en charge l'action publique dans un contexte extrêmement difficile parce que l'ancienne majorité a quand même endetté la France de 600 milliards de plus en 5 ans. 600 milliards de plus en 5 ans. Il faut donc assainir les finances publiques. Il faut prendre des décisions difficiles. Et pourtant, nous créons des emplois. Et pourtant, nous arrêtons de désosser l'État. Donc, c'est un peu la servitude dans une démocratie d'assumer le courage de l'action publique et en même temps d'être confronté aux critiques. Ça fait partie de l'État de droit. Merci, Madame Taubira.